It began as the tiniest spark. A flicker in the darkness. And from that spark came the creators. The creators became masters of imagination. Their beautiful creations filled the universe. Their power growing ever greater. But suddenly, they disappeared. A mystery yet to be solved. The creators are gone now. All that remains is the tiniest spark. A flicker in the darkness. Only you can relight the spark. Are you a creator? C'est incroyable! Bienvenue, les amis! Bienvenue sur ma toute nouvelle série sur Creativeverse. C'est incroyable, je vais vous dire. Je viens de découvrir en plein direct cette cinématique d'introduction. Voilà, je dois vous avouer que je ne l'ai jamais vue. Voilà, c'est incroyable. Bref, les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme. En tout cas, pour ma part, ça pète la forme. On se retrouve sur un tout nouveau monde généré aléatoirement sur le jeu Creativeverse. Bienvenue, prenez place. Toute nouvelle série détente, une série principale donc qui sera sur ma chaîne YouTube. Je vous sortirai des épisodes assez régulièrement. J'espère que vous allez tous très bien, on va déjà commencer dans le vif du sujet, on va prendre du bois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'en 2019, beaucoup sont ceux qui connaissent ce jeu, mais sachez que si vous ne connaissez pas le jeu, ne vous inquiétez pas, on va reprendre les bases calmement et tranquillement, nous allons un petit peu découvrir le jeu. Je ne connais pas tout, mais je connais évidemment les bases, donc ça va beaucoup nous aider donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez pouvoir m'aider, puisque bien évidemment, encore une fois, je ne connais pas tout. Et donc voilà, pour ceux qui le découvrent, nous sommes dans un monde un petit peu comme sur Minecraft. On peut poser des blocs, les casser, etc. Alors là, je me suis totalement fait avoir. Et vous voyez que c'est pas pareil que Minecraft, hein, clairement. C'est-à-dire qu'on récupère avec un... Je sais plus comment ça s'appelle. Alors attendez, regardez, on a un inventaire. Ça s'appelle... bref, le bras là. C'est un récupérateur. Voilà, vous avez vu, on peut récupérer évidemment des blocs. Par exemple ici, du miel. Voilà. Enfin, je crois que c'est du miel, hein, il me semble. Enfin des ruches, pardon, c'est des ruches, autant pour moi. Donc on peut récupérer voilà toutes sortes de choses, faire des crafts et donc construire pas mal de choses. Alors, quel sera le but de la série, les amis? Vous allez me dire, c'est vrai. Je sais pas, je sais pas. On va se détendre tranquillement. Il y aura pourquoi pas des lives sur ce jeu. Voilà, je vous dis direct, hein, on fera peut-être des streams, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Comme ça, on pourra avancer ensemble et faire des choses assez sympas. En tout cas, moi je me fixe comme idée... On va pas se prendre la tête, on va faire une petite aventure survie, on va se mettre bien déjà pour commencer, on va se mettre bien et on va essayer de faire des petites constructions assez sympas. Voilà, parce que bien évidemment, Creativeverse, on a Creativeverse, enfin on a créatif dedans, voilà, c'était ce que je voulais dire, pardon. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Alors qu'est-ce qu'on a là dans l'inventaire déjà? Je suis en train de couper plein de bois. Avant, on avait déjà, alors attendez, comment on ouvre l'inventaire? Voilà, on avait un crumpled note, voilà, très bien. She said I shouldn't just leave you like this. Voilà, et puis on avait un téléporteur, enfin un touchstone, donc ça nous permet de se téléporter sur cette plaque si jamais... bah regardez, petite démonstration pour ceux qui connaissent pas, je pose la plaque ici, voilà. Je pars par exemple ici, voilà, on va pas aller plus loin, j'appuie sur la touche T et je fais téléporte. Et donc en 5 secondes, je peux me téléporter sur la plaque, donc c'est assez pratique si jamais on fait des voyages longs et qu'on souhaite revenir à un endroit prédéfini. Voilà, donc c'est plutôt assez sympa. Donc vous voyez, on a des petites créatures assez rigolotes, assez mignonnes. Par exemple, ces créatures-là, elles sont gentilles, mais si on les attaque, elles nous attaquent, normalement, voilà. Donc là, on a une petite épée en bois, donc on va pas aller loin avec.
Évidemment, on va pouvoir se crafter au fil du temps des épées assez sympas. Et que dis-je ? On n'a même pas une épée, c'est un bâton. Pardon, j'ai rien dit. Attendez, ça commence mal. Attendez, je vais me barrer. On va déjà commencer par se faire une petite épée en bois. Ouais, ce sera déjà une bonne chose parce que là, avec un bout de bois, on va rien faire. Donc, vous voyez, on peut crafter voilà, des mining cells. En fait, c'est des cellules qui permettent de miner. Et donc, plus elle sera... Enfin, vous voyez, on a une stone mining cell, une obsidian mining cell et une iron mining cell. Et plus on va aller à gauche, et plus on pourra miner des trucs intéressants. Vous voyez, on a des crafting tools, donc on peut faire des processeurs, des forges. Donc ça, c'est un petit peu comme sur Minecraft, en gros. Donc on peut faire cuire des choses et des extracteurs, donc pour récupérer, par exemple, des minerais. Donc que ce soit du fer, de l'or, du diamant, etc. Ou du charbon. Donc on va se faire, les amis, une épée en bois pour commencer. Il nous faut, vous voyez, du bois et des vignes. Les vignes, c'est ce qu'on n'a pas. Alors, c'est vrai que c'est assez problématique. Où c'est qu'il y a des... Ah bah là, c'est bon, il y en a juste ici. Donc on a juste à récupérer, en fait, si vous voulez, ceci. Et voilà, nous avons... des vignes. Alors attendez, on va sauter et en récupérer un petit peu plus. Voilà, on récupère autant de bois qu'on peut. Enfin, on va, voilà, on se fait des petits kiffs. Voilà, donc maintenant on va pouvoir crafter normalement donc une épée en bois. Hop, et voilà, nous l'avons craftée, rien de plus simple. Et elle se trouve directement dans notre inventaire. On va pouvoir attaquer les sortes de petits cochons comme ça avec une petite épée en bois. Alors, faut faire gaffe parce qu'ils peuvent très vite faire mal. Hein. Ils peuvent très vite faire mal. Voilà, et donc là on peut récupérer ses loot tout simplement. Donc ils nous donnent des os et du cuir. Voilà, donc avec ça on va pouvoir crafter bien évidemment des outils, des items, plein de petites conneries comme ça. Donc vraiment l'idée déjà de ce premier épisode, ça va être un petit peu de découvrir le monde et de récolter pas mal de ressources. Voilà, clairement ça va être un petit peu le but de ce premier épisode. Pourquoi pas essayer de s'installer à quelque part, un petit abri de fortune. Ça peut être assez intéressant parce que bien évidemment il y a des méchants, il y a des monstres, il y a des cavernes. Je vais beaucoup comparer à Minecraft hein, je pense, hein, mais bon... vous avez l'habitude. Il y a 3 ans, j'avais commencé une série sur ce jeu. Au final, je l'avais arrêté. Sur cette série, j'avais beaucoup comparé à Minecraft. Et vous voyez, il y a une sorte de biome Mesa là-bas. C'est assez sympa. On a une petite plage aussi ici. J'aime bien cet endroit. C'est pas loin du spawn. C'est assez sympa par ici. Alors, vous voyez, l'eau, on peut la récupérer comme ça. Regardez. Ça me fait des blocs d'eau. Et pareil, avec tout simplement un petit exemple. Si on met ça dans un processeur, il me semble, on peut faire des glaces. Enfin des vitres, bon je sais plus, je crois que je dis des bêtises mais dans l'idée chaque chose est nécessaire et chaque chose va permettre de faire des crafts et donc d'améliorer notre survie ou notre vie et donc être le plus créatif possible et créer plein de trucs. C'est vrai que le but du jeu je le calcule pas trop, c'est vrai que je sais pas trop c'est quoi le but du jeu donc je veux bien que vous me l'indiquiez en commentaire pour ceux qui connaissent vraiment bien le jeu hein, parce que je m'imagine bien qu'il y aura des gens qui connaissent beaucoup le jeu qui verront cette série et qui se diront mon dieu. Qu'est-ce qu'il est nul, Mkolo, il connaît rien à ce jeu, mais pour moi, Creativeverse, le but du jeu, c'est de survivre, et puis de voilà, d'être créatif, de construire des trucs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à faire, et ce serait dommage de mourir déjà. Hein. Ce serait vraiment dommage de mourir face à ça. On récupère tout ça. Qu'est-ce qu'on peut crafter déjà? Alors, on peut crafter des moss torches, donc c'est des petites torches qui sont vraiment pas... qui éclairent pas énormément. On peut faire des coal torches, ça c'est des torches qui éclairent beaucoup mieux, mais pour ça, il faut du charbon. Vous voyez, en fait, tout ce qu'on peut crafter, c'est coloré, en fait, le fond, il est blanc. Donc, par exemple, tout ça, on peut pas encore crafter. Là, on peut déjà crafter un coffre. Donc ça, ça va être pas mal pour s'établir. Ça va être pas mal pour s'établir. Donc, écoutez, vous savez quoi? On va un petit peu se balader. Là, vous voyez, des cavernes. On va éviter de s'y aventurer maintenant, parce que c'est vrai que maintenant, on n'est pas prêt encore. Là-bas! Oh, génial! Regardez, on a un biome tropical, là-bas, avec des oasis. On commence à voir un petit peu les arbres. Alors ce qui est bien, j'aime bien ce biome, mais le problème c'est que vous allez voir, je le sais, hein, je m'y suis déjà aventuré lorsque je me suis amusé à jouer. Il y a des méchants en mob, ils sont très très horribles, très compliqués à tuer. On récupère un maximum de champignons rouges, je sais plus à quoi ça sert mais ça va être très utile. Pareil, on va récupérer de la mousse, les feuilles c'est très important mine de rien. Hein. Vous allez voir pourquoi par la suite. Alors un truc que j'aime beaucoup avec ce jeu aussi c'est que, alors déjà il est très beau, graphiquement il est très beau, alors c'est des cubes hein, bien évidemment, mais regardez, franchement, c'est beau. Mais en plus de ça, on a des musiques de fond et comme sur Minecraft, bah je les trouve magnifiques. Donc vraiment, c'est un peu une série chill, hein. Je tiens à vous le dire, c'est une série chill. Hein. Donc par moment évidemment, on va se faire des petites frayeurs, des petites surprises, je vais pas mal crier, hein, on va pas se mentir. Mais des fois et souvent, bah ce sera beaucoup du chill, on va être là en mode relax quoi. Avec la petite musique d'ambiance tranquillement et... Et on va se faire des lives, je pense, assez sympas. Mais d'abord, avant tout, c'est une série en vidéo. Les lives, c'est occasionnel, bien évidemment. On va récupérer aussi ça. Du driftwood. Voilà.
Et on va un petit peu s'aventurer dans ce petit biome. Parce qu'il est beau, hein. Le biome Mesa est beau, mais les méchants, ils sont très méchants, hein, forcément. Vous voyez déjà là, ce petit méchant qui crache du feu, là aussi, là. Voilà, il y en a plein un peu partout. Ils sont un peu chiants. Hein. Ils sont un peu chiants. Je sais pas où c'est qu'on pourrait s'installer. Hein. J'ai pas envie qu'on s'installe vers là parce que les méchants sont nombreux. Par contre, on va en profiter pour récupérer ça. Ça peut être assez intéressant, du shrub. Du shrub, je sais pas ce que ça veut dire en français. J'avoue. Alors oui, les champignons rouges, on peut les manger et ça nous redonne de la santé, il me semble. Non, ça ne marche pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait, je mange des champignons, ça ne marche pas. Bon, attendez, il y a plein de méchants. On va éviter de les... Ouais, je sais pas où c'est qu'on va se mettre. On va revenir un peu dans une zone safe là-bas. Là-bas, on était bien par là-bas. On va retourner là-bas et vous savez ce qu'on va faire? On va se faire un petit abri de fortune sous terre. Dans une... Ouais, tu sais quoi? On va pas se casser la tête. Regardez, on va pas se casser la tête, on va se mettre là. Ah ouais, non, en fait, je pensais que c'était un petit peu plus grand. Je sais pas où c'est qu'on pourrait s'installer. Eh, tu sais quoi? Oh ouais, on va se faire un petit abri de fortune comme on les aime. Comme ça, là. On va se faire un petit trou dans la montagne. Un peu comme les novices sur Minecraft. Bah, moi, je suis un novice sur Creativeverse. Donc, on va se faire un petit abri de fortune par ici, d'accord? Et on va d'ailleurs commencer par faire un truc. Parce que sinon, les monstres, ils vont spawn et vous allez rien voir. On va commencer par crafter des torches. Et bien évidemment, on va les placer. Alors attends, comment ça fonctionne? Voilà. Allez, je découvre encore un peu. Hein. Puis ça fait un moment que j'ai pas joué aussi, surtout, donc comprenez bien que c'est assez compliqué. Donc on va se faire une petite caverne tranquillement, un petit abri de fortune, pas très beau ou quoi. C'est juste histoire de s'installer, pouvoir se reposer et se mettre bien pour le début de la série. Et puis par la suite, on va évoluer, on va peut-être se... Enfin, on va se balader, clairement, hein. On va découvrir des nouveaux horizons. Et puis... construire pourquoi pas pas mal de petites choses. Alors évidemment je suis pas comment dire, j'ai pas la confiance pour vous dire qu'on va construire des châteaux forts ou je sais pas quoi, hein. Mais on va construire des choses raisonnables qui seront, je l'espère, plutôt belles. On a énormément de craft, hein, qui se débloquent au fur et à mesure et c'est incroyable tout ce qu'on peut faire, ça je vous le dis. Hop, c'est quoi ça? J'ai vu un truc, je sais pas, c'est peut-être le mob d'au-dessus, non? D'ailleurs attendez, on peut se faire ces trucs là. Attends, faut faire gaffe parce que eux ils sont un peu violents quand même. Ces petits crabes. Voilà. Attends, pour le moment il m'a mis aucun dégât. Moi j'ai une épée en bois donc on va se calmer. Hein. J'évite de perdre des cœurs parce que j'ai pas une santé de ouf. Hein. Ok. Ça se passe. Le PVP est très intense. Hein. Oula, attention, il se remet sous sa carapace. Eh, vivement qu'on se fasse une petite épée en pierre parce que là une épée en bois ça va pas le faire. Hein. Tu sais quoi, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à le tuer. Ah si, c'est bon. Donc lui il nous loot voilà, du mud, des os pareil, et puis des rochers, voilà, tout simplement. Ok, normalement on peut se crafter une épée en pierre en vrai, non? Pour ça il faut de la stone, des os, du twine et de la wood rod. Bon, on va voir comment on va faire ça. Je sais plus trop, je sais qu'il faut utiliser un processeur. Donc ce qu'on va faire, vous savez quoi, ce qu'on va faire, on va chercher de la pierre déjà. On va un peu descendre, histoire de chercher de la pierre. Alors on voit pas grand chose, hein. Les torches n'éclairent pas grand chose. On va essayer de faire avec. Pour le moment. Là pour... Voilà, ça y est, on a de la stone. On a de la stone juste ici. Donc on va la miner. Vous voyez, ça prend du temps à miner la stone. Et lorsqu'on va améliorer en fait les récolteurs là, donc le bras là, comment ça s'appelle de nouveau? Les mining cells. Donc si maintenant je fais un stone mining cells, chose que je ne peux pas encore faire, eh bien en faisant ça, ça ira plus vite et je pourrai récolter d'autres matériaux que je ne peux pas encore récupérer, notamment notamment ça, regardez la bedrock. Voilà, la bedrock je ne peux pas, c'est écrit en haut que j'ai besoin d'une stone mining cell, voilà, une cellule de minage en pierre. Ok, alors maintenant qu'est-ce qu'il me faut pour une épée en pierre, juste qu'on soit d'accord, une épée en pierre, une épée en pierre. Il me faut de la stone, c'est bon, les os, c'est bon, il faut de la wood rod et de la twine. Pour ça il faut un processeur, comme vous pouvez le voir, tout est expliqué. Donc le processeur, il est là, je peux le crafter, hop, le voici, ça débloque plein de craft, hein, vous le voyez à droite. Et le processeur, écoutez, je vais un peu vider mon inventaire, enfin je vais faire de la place, il est où, il est là, le processeur, il est là, on va le mettre juste ici. Et pour faire de la twine, il faut qu'on mette, voilà, ceci, vous voyez, en fait tout est vraiment expliqué, hein, si jamais pour ceux qui comprennent pas, vous voyez qu'est-ce qui se passe quand je fais quoi. Et il nous faut quoi de nouveau, j'ai oublié, de la twine, et il nous faut pour faire une épée en pierre, de la wood rod, enfin, pour ça il faut du bois, hop. Woodrod, voilà, et on collecte. On attend que ça se fait et on va pouvoir se faire notre petite épée en pierre.
Ça va être déjà beaucoup mieux qu'une épée en bois. Le soleil est en train de se coucher là, non? Il est 5h de l'après-midi. Ouais, le soleil va bientôt se coucher tranquillement. Allez, ça prend un petit peu du temps. Ça prend 20 secondes, hein, j'avais pas vu, c'est écrit 20 secondes, voilà. C'est bientôt, voilà, c'est fini. On va pouvoir se crafter maintenant, sans plus attendre, notre épée en pierre. Et on est beaucoup mieux avec celle-ci. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre épée en pierre équipée, on va pouvoir un petit peu se faire quelques petits mobs encore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, attendez, juste comme ça, on l'oublie pas. Comme on va un petit peu s'installer là, temporairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se crafter un coffre. Comme ça, on pourra stocker tous nos trucs à l'intérieur. Bon, on va rien mettre dedans pour le moment, mais c'est juste histoire de dire. On va mettre aussi la plaque de téléportation ici. Comme ça, si jamais on part et que c'est le zbeul, ben, on pourra se téléporter ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on peut crafter? Oui, il y a déjà plein de trucs qu'on a débloqués. Une porte. On va se faire une porte. On va crafter une porte, c'est important de faire une porte. On va la placer juste ici. Voilà. Et bien évidemment, on va refermer. Alors attends, pour le moment, on va utiliser de la terre. Ouais. On va utiliser de la terre pour refermer. C'est vraiment pas ouf, mais. C'est vraiment temporaire. Voilà, comme ça, on est un minimum à l'abri. Vous voyez ce que je veux dire? Même se mettre des petites torches par ici. Donc là, l'idéal, ce serait de trouver une mine. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se balade pour chercher une mine. Maintenant, on va pouvoir y aller. On peut se le permettre. On a quelques petites torches. On a une épée en pierre. Donc maintenant, on va pouvoir aller en mine. Et je crois qu'il y en a une juste ici. Attendez. Ouais, il y en a une juste ici. Donc on va y aller tranquillement, les amis. Donc il y aura des méchants, hein, bien évidemment. C'est probable. Mais là on va aller en mine pour récupérer des minerais. Et oh, il y a plein de méchants qui arrivent. Ah non, j'ai rien dit, ça c'est des gentils ça. J'ai eu peur. Enfin c'est des gentils, si on les attaque ils sont méchants hein, mais. Alors il n'y a pas de méchants, il n'y a que des petits crabes, regardez, c'est mignon. Pour le moment c'est mignon. Donc là vous voyez, ça je peux pas récupérer, voilà, c'est de la bedrock. Ah bah attendez, est-ce que je peux pas me faire la stone mining cell? Ah bah non, on avait dit, il me faut encore du charbon et des fleurs jaunes. Enfin, et des fleurs tout court, quoi. Très bien. Donc il me faut du charbon. Alors faudrait qu'on trouve du charbon d'ailleurs, ouais. Est-ce qu'il y en aurait pas à proximité là? Ouais, non, il n'y a pas de charbon ici, j'en ai pas raté. Donc va falloir bel et bien descendre pour récupérer du charbon. Ouais, ça je peux pas casser. Attends, dégagez-vous. Oui, c'est vrai, on peut pousser en fait les mobs. Sans leur faire du mal d'ailleurs. Alors attends, on va descendre par là. Ça me fait un peu peur, j'avoue, je vois pas grand chose, ça me fait peur. J'imagine que vous non plus, vous voyez pas grand chose. Y a pas de méchant. Hein. J'ai plus de torche par contre, attendez, on va refaire. Ouais, je peux qu'en faire 8. Bon, je m'aventure un petit peu. Hein. Il faut oser s'aventurer. Y a pas du charbon là, sans déconner. Parce qu'avec ça, on serait vraiment sauvés. Hein. Là, ça éclairerait tout d'un coup. C'est vrai qu'on voit pas grand chose. Y'a de la magnétite qu'on peut pas récupérer. Mais y'a pas de méchant, hein. On n'a pas encore croisé de méchant. Alors je vérifie juste, hein. Je sais qu'on voit pas grand chose, mais s'il y a pas du charbon qui traîne à quelque part. Visiblement non. Faut qu'on continue de s'aventurer. Mais j'ai plus de torches. Aïe aïe aïe, coup dur pour le joueur. Ah attendez, y'a du charbon là-haut, j'avais pas vu. C'est bon, on est sauvé, juste au-dessus. Pas du tout, c'est de la terre. Oh là là, je me suis enflammé. Comment on va faire? Comment on va faire? Ben, y a pas le choix. Hein. Attends, comment on refait des torches là comme ça? Faut de la mousse. Ouais, mais là il fait nuit maintenant. Bon, écoutez, on va reprendre une torche. On va s'aventurer avec, y a pas le choix. Hein. Va falloir qu'on avance. On voit vraiment rien. On vérifie sur les murs qu'il n'y a pas de charbon. Là-haut. Non, c'est de l'obsidienne. Donc vous voyez, pour récupérer l'obsidienne, il faut un extracteur par exemple. Il n'y a pas de charbon. C'est un truc de fou. Eh, je vous jure, je pensais pas que j'aurais ce problème un jour. Je ne trouve pas de charbon, quoi. Attendez, j'ai bien vérifié. Vous allez me prendre pour un teubé si jamais vous en avez vu. Mais moi, je crois pas qu'il y a de charbon, là. J'en ai pas vu. Bon. Je crois qu'il y a vraiment pas le choix. On va devoir ressortir. Parce qu'on peut pas s'aventurer plus loin comme ça. On va ressortir. Je sais qu'il... Ah non, il fait même pas encore nuit, donc c'est bien. Donc on va vite se dépêcher, on va sortir, on va récupérer de la mousse. Il y en a juste ici. Comme ça on va pouvoir se refaire quelques petites torches. Pas ouf, mais au moins ce sera déjà ça. Il y en a pas d'autres des mousses? Là il y en a encore. Voilà, on récupère tout ça. Et par contre j'aimerais bien récupérer ma santé. Alors attendez, si je mange des champignons normalement. Ah voilà, ça me redonne de la santé. Vous le voyez en bas, très bien, voilà. Ça marchait pas avant, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là on a 24 torches. On va pas aller loin avec, mais... Y'a pas de la mousse que j'ai raté là-bas, y'a de la mousse encore. Attendez, on va récupérer un maximum de mousse.
histoire que qu'on se mette bien quand même. Et au pire, il y a peut-être d'autres mines qui sont bien. Regardez juste à côté, il y a une mine là. Non, pas du tout. Là, il y en a une, là, deux mines, juste en dessous. Ok, on va aller dans celle-là. On va aller dans celle-là, les amis, d'accord. Je récupère juste encore la dernière mousse. Et voilà, on va descendre. On va descendre à la recherche de charbon et d'autres minerais, bien sûr. Mais surtout de charbon. Parce que là, j'aimerais vraiment qu'on voit quelque chose. Et là, on ne voit rien. Je sais même pas s'il y a un monstre. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hop, on descend. On s'aventure. Alors là, c'est... Les mines, elles sont chaudes, hein, quand même. Donc là, il n'y a pas de charbon. Hein. On n'a pas vu de charbon par ici. Je vais poser des blocs pour descendre. Alors attendez, comment je pourrais faire là? Je peux poser des blocs. Moi, ça me gêne vraiment qu'on voit pas... qu'on voit pas des masses. Allez, on y va. Il y a des fossiles. Et ça me fait peur. On s'enfonce beaucoup trop, j'ai trop peur. C'est bon, c'est un cul-de-sac. Ok, c'est un cul-de-sac. Alors on se met bien, tranquillement. On vérifie qu'il n'y a pas de charbon. Oh là ! Ah ! Pardon. Il m'a fait peur, il m'a fait peur, il m'a fait peur, il m'a fait peur, il m'a fait très peur. C'est bon, je l'ai eu. Il m'a fait très peur. Alors, je voulais pas vous mentir, il m'a fait très peur. Hop, on récupère. Il avait des cristaux sur lui. Alors attendez, on va juste se régénérer avec des champignons. Très important, les champignons pour régène. Il m'a fait très peur. Je m'attendais vraiment pas à le voir. Donc ça c'est des méchants hein, du coup, c'est un cochon, une sorte de cochon infecté, trop bizarre. Pas de charbon par ici. Alors d'ailleurs les épisodes les amis je pense ils vont durer à peu près une demi-heure. Écoutez, on va se mettre bien, on va profiter. Ah oui j'ai plus de, je me disais bien j'ai plus de torches. Ah j'en ai pas des masses, hein. Enfin si j'en ai 40 donc c'est bien mais... Ok ça c'est un crabe gentil. Mais sans déconner y a pas de charbon dans les mines quoi, genre ça y est. Bonjour. C'est un cul-de-sac aussi, je crois. Non, ça continue encore. Bonjour. Ah. Non, de l'obsidienne. Ah, c'est une sortie de grotte, là. C'est bon, j'ai du charbon. Là, il y a du charbon juste ici. Donc, pour récupérer ça, il faut un extracteur. Donc, pour faire un extracteur, tac. Non, extracteur, j'ai ce qu'il faut. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Il faut des stone slabs. Oh, la galère. Et il y a un méchant qui arrive. Alors, attendez, attendez, attendez. Oh, il m'a fait peur. Attendez, ça y est, je suis pas bien. Là, je suis pas serein. Alors attendez, il faut qu'on fasse un processeur, d'accord? Je peux pas me faire de processeur. Oh là là, je peux rien faire, je peux même pas récupérer le charbon. Aïe aïe aïe, le coup dur, le coup dur, le coup dur. Bon, je vais me téléporter. J'ai beaucoup trop peur. J'ai beaucoup trop peur les amis. Aïe aïe aïe, et ça fait flipper quand même un peu hein. Ok, j'ai rien dans les coffres, on est d'accord. Ok, bon c'est bon, j'ai un processeur ici. Donc ce qu'on va faire, il faut qu'on se fasse des stone slabs pour crafter l'extracteur. Des stone slabs et des wood slabs hein. Donc on va se faire tout ça, voilà, tranquillement. Ça m'a fait peur cette situation, je vais pas vous mentir. D'ailleurs on peut crafter des beds. Alors juste qu'on soit bien d'accord, il faut faire ça comment? Stone rod on peut faire. Shred leaves on peut faire. Ah bah attendez, on peut faire passer la nuit, alors je crois que j'ai ce qu'il me faut. Attendez, bougez pas. Bougez pas, il me faut de la twine. Alors de la... Ah des shred leaves, c'est ça qu'il faut. Et il faut quoi? De la stone rod. Alors attendez, j'ai de la stone, donc je fais ça et ça fait des stone rod. C'est bon les amis, on est sauvés, on va pouvoir se faire un lit et on va pouvoir récupérer le charbon. Bon, et ce premier épisode, il va bien se passer. Voilà, on va s'en arrêter là dans quelques minutes, mais il commence bien parce qu'on va pouvoir se faire déjà un lit et on va pouvoir récupérer du charbon. Donc déjà, c'est un bon début d'aventure. J'ai cru que ça allait très mal démarrer, mais voilà. On va se faire donc un extracteur, un deuxième, voilà. On va s'en faire un maximum d'ailleurs, tu sais quoi. On va s'en faire plein des extracteurs. Ça va être très pratique donc pour récupérer de l'obsidienne, du charbon et tout ce genre de matériaux. Pareil, hein, les minerais, tout ce qui est minerais, c'est avec de l'extracteur. Donc il n'y a pas d'histoire de pioche et tout. Wow. Oh, oui, il y a des méchants. Oui, la nuit, il y a des méchants. Hein, donc on va rester à l'intérieur tranquillement. On peut même se refaire une torche ici. Voilà. Autant être en sécurité un maximum. Allez, on récupère tout ça. J'ai hâte de faire le lit. Hein. J'ai hâte de faire le lit, je vais vous dire, les amis. On va remettre donc des wood slabs. Et on va refaire des stone slabs. Où c'est que j'ai de la pierre ici? Voilà. On attend que la stone rod se fait et comme ça on pourra se crafter donc un lit. On est bien d'accord. Bed. Voilà, il nous manque plus que la stone rod. Impeccable. Ça arrive. Ça prend du temps. Et c'est fini maintenant. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir se crafter enfin un petit bed. Ça va faire du bien. Voilà. Alors attendez, bougez pas. Le bed, il est où? J'ai toujours un peu du mal avec l'inventaire. Hein. Je pense que...
pense que vous aussi peut-être. Voilà, le lit est là, on peut dormir et on fait passer la nuit et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Voilà. Le jour se lève et les méchants sont en train de crever. Pardon, j'ai eu peur. Alors le mec il vient de crever juste devant moi, ça m'a fait peur. Ok, bon excusez-moi, j'ai dit c'est une série chill mais des fois je vais crier, ça fait un peu peur quand même, on va pas se mentir. Et bah maintenant on va pouvoir retourner donc en mine pour pouvoir récupérer le charbon. Alors je sais plus dans quelle mine on était, c'est ça ce qui est assez terrible. C'est assez terrible, on en a une juste ici mais ça c'était la première. Donc l'autre elle était là-bas, hein. L'autre elle était là-bas. On va y aller. Ah mais attendez, de toute façon c'était une sortie de mine, alors ça doit être par là, regardez, attendez. Ça doit être ici en fait, hein. Ouais, c'est ici qu'on était, voilà, très bien. Alors il y a encore des méchants par contre, hein. Il y a encore des méchants, on les voit au loin. Mais moi je m'en fous, je vais récupérer mes bijoux. Voilà. Alors attendez, l'extracteur il est là, le charbon il est là. Et donc regardez, hop, on n'a plus qu'à l'extraire. Ça va se faire, voilà. Donc ça va nous donner 6 charbons, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut extraire aussi? On peut extraire de l'obsidienne. Voilà, c'est intéressant l'obsidienne. Là-bas il y a un méchant. Là il y a aussi de l'obsidienne à prendre. Le méchant il va pas me faire chier, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Il va pas me déranger. Donc là j'ai que 2 extracteurs malheureusement. Ah je peux encore en crafter, c'est bon. Oh yes, cool. Donc on va extraire aussi ici. Donc c'est bien, tout est automatisé, donc ça va assez vite. On peut voilà gagner beaucoup de temps. Voilà, on peut déjà récupérer quelques charbons. Lui il va pas venir me déranger. On va récupérer la mushroom et un petit peu quelques matériaux. On a toujours de la stone, on récupère la stone. Ok, bon ça va, c'est un bon début d'aventure. Ça m'a fait peur au début, on avait mal commencé. Alors là on a des fossiles, on peut récupérer. D'ailleurs maintenant on peut se faire du coup la stone mining cell, non toujours pas. On a le charbon mais il nous faut encore des fleurs. Bah, du coup on pourra faire ça pour le prochain épisode très facilement. C'est assez cool. Voilà, on va récupérer tout le charbon. Alors une fois qu'on a tout récupéré, vous voyez en fait l'extracteur disparaît. Donc là on va en replacer un. Ça, ça prend du temps, l'obsidienne ça prend énormément de temps. On va vraiment se focus sur, du coup sur le charbon. Voilà, on va récupérer tout ça. Et donc maintenant on peut se faire des torches, mais genre vraiment bien là. Ça c'est vraiment des torches, regardez. J'en place une. Ça éclaire de fou. Alors là il y a déjà des torches à côté, mais ça éclaire énormément et c'est vraiment cool. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va sortir. Il y a plein de galeries à explorer, ça va être assez fou les amis, voilà. On va sortir, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Attendez, on va se... On va éviter de crever quand même. Attendez, on va ressortir. J'ai pas envie d'utiliser le téléporteur. Ah, je ne peux pas sauter. Un vrai plaisir. On va s'en arrêter là pour cet épisode les amis. J'espère qu'il vous aura plu, voilà, cette nouvelle aventure. J'espère que ça vous hype. Je vais essayer d'être le plus régulier possible sur cette série. Et voilà, après encore une fois, alors je tiens juste à le dire, hein, si jamais, j'arrêterai la série quand j'en ai envie. Alors évidemment, je ne compte pas l'arrêter très prochainement. J'aimerais vraiment voilà, explorer un maximum de choses et construire des choses assez sympas. Mais sachez que voilà, au bout de 30 ou 50 épisodes, si j'estime vouloir arrêter, eh bien j'arrêterai cette série. Mais voilà, du jour au lendemain, ça n'arrivera pas comme j'ai pu le faire il y a 3 ans, donc vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi cette fois-ci, il n'y a pas de soucis, c'est pas une promesse en l'air. Bombardez de pouces bleus si cette série vous plaît, n'hésitez pas à donner des conseils en commentaire, je vais tous les lire, et je vais pas enchaîner les tournages exprès pour pouvoir voir vos retours. Et un truc que j'ai envie de faire aussi pour cette série, c'est que, eh bien, à chaque épisode, sauf si je dis que je tourne à la suite des épisodes, eh bien, j'aimerais voir vos retours avant de tourner l'épisode suivant. Donc, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode très prochainement, en ayant vu vos commentaires. Bref, c'était Mkolo, merci à tous, ciao tout le monde !